bateau va bien à Cardiff Bay? Merci, merci. Ouais, d'accord, merci. Bienvenue, merci d'être là pour découvrir à mes côtés une contrée relativement méconnue, le Pays de Galles. Alors le Pays de Galles, comme son nom l'indique, est un pays à part entière, qui n'est pas une province annexée de l'Angleterre, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Mais avec l'Angleterre et l'Écosse, il est le troisième pays à composer la Grande-Bretagne. Et cette terre de druides, à peine plus grande que la Picardie, est finalement la plus mystérieuse, sans doute, du Royaume-Uni. Et c'est pour ces raisons que j'ai décidé de vous faire partager mon voyage, un voyage qui commence ici, à Cardiff, la capitale, et qui se terminera tout au nord du pays. Voilà de quoi vous faire mieux comprendre qui sont ces Gallois, leur langue, leur identité, mais aussi leur petit grain de folie. Alors, bienvenue au pays des légendes, bienvenue au pays du rugby, Croeso y Gymru. Croeso y Gymru. Croeso y Gymru. Voilà, comme on dit au Gallois, bienvenue au Pays de Galles, bienvenue dans l'échappée belle. Ce n'est pas terrible mon accent, hein? Oui, bon, ça va. Quels sont les endroits que je dois pas rater ici? Qu'est-ce que je dois voir dans la ville? Il y a énormément de choses à voir ici. Cardiff est une ville incroyable. Il y a les parcs, le château, l'assemblée. J'ai quelques minutes avant d'aller travailler. Si tu veux, je te montre. D'accord, ben, je suis ravi. Merci. Ta-da! C'est le Millennium Stadium. C'est là où on joue les matchs internationaux de rugby. Et c'est là qu'on vous a battu en 2008, quand on a gagné le Grand Chelem. Je ne me souviens pas, t'es sûr de ça? Le rugby a l'air d'être quelque chose de très important ici. Hein. C'est notre sport national. Quand on perd, on est complètement déprimé. Quand on gagne, on a la pêche. C'est un très bel endroit ici. C'est quoi ce parc là? On est où? C'est Bute Park. Ouais. Il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres en plein centre-ville. Et c'est l'un des nombreux parcs de Cardiff. C'était la volonté de Mark Bute, le propriétaire de ces terres, qui a insisté au moment de la construction de Cardiff pour qu'il y ait beaucoup d'espace vert. C'est pour ça qu'on a ces endroits super en plein centre-ville. Et je vois qu'il y a un château aussi derrière. C'est quoi ce château? C'est le château de Cardiff. Jérôme, c'est là que je travaille. C'est l'Assemblée nationale du Pays de Galles. C'est un bâtiment très important pour les Gallois. Et si tu veux, avant d'aller au boulot, je peux te faire visiter. J'ai le droit de rentrer, moi, dedans? Oui, bien sûr, tu peux. C'était une volonté de l'architecte de faire de ce bâtiment le bâtiment du peuple gallois. Du coup, il est très ouvert et tout le monde peut le visiter. Cette assemblée existe seulement depuis 1999. Les décisions sont prises à Cardiff dans 20 domaines différents. L'éducation, la santé, l'économie, tout ça est géré depuis Cardiff et non pas depuis Londres. Donc vous avez enfin votre propre identité et votre propre autonomie presque maintenant, c'est ça? Je crois qu'on a toujours eu cet esprit gallois et ce sens de l'identité. Mais avec ce bâtiment et surtout avec la démocratie qui a été transférée ici, les gens se sentent plus libres, plus gallois. Ils ont l'impression de pouvoir exprimer pleinement leur identité galloise. Avant, certains disaient qu'il était difficile d'être gallois, que c'était une mauvaise chose de vivre ici. Mais c'est totalement faux. Il y a beaucoup de choses très positives dans ce pays. Et ce bâtiment est le symbole de tout ça. This place is a symbol of that. Cardiff, la capitale du Pays de Galles, est une des villes universitaires les plus jeunes d'Europe. Quatre grandes universités se partagent plus de 50 000 étudiants, soit près de 15% de la population de Cardiff. Et au cœur de la capitale galloise, l'École supérieure des arts et du design forme les futurs artistes. Je peins sur des corps, comme ça, pour faire du corps humain un tableau.
et ça me fascine. J'ai vu des villes plus attractives, mais Cardiff, c'est un réel carrefour pour les artistes. Il y a des bars qui font venir des modèles pour des séances de dessin. Ils essayent d'encourager l'art et les artistes locaux. Ils organisent des expos-ventes. Tout ça participe à l'attrait de Cardiff, je crois. Des lieux comme l'Institut d'art de Cardiff. C'est un bar, mais pas seulement. Défilés de coiffure, expositions et hamburgers. Une conception originale du partage artistique. Il y a pas mal d'art alternatif à Cardiff et des galeries indépendantes. C'est une ville qui commence à s'affirmer comme capitale. Elle est très cosmopolite. C'est sûrement dû aux campus universitaires qui sont très importants. Les étudiants viennent du Pays de Galles et d'un peu partout dans le monde, Espagne, France, Italie, Allemagne. Ancienne cité ouvrière, Cardiff était un port important, le plus grand exportateur de charbon au monde. Mais la ville a vu son industrie décliner jusque dans les années 90. Aujourd'hui, Cardiff tente de s'offrir de nouvelles perspectives et surtout un nouveau look. Faye est photographe. Cette londonienne a débarqué à Cardiff il y a 5 ans pour ne plus jamais quitter la cité galloise. La raison pour laquelle je viens au parc, c'est parce que c'est l'endroit où j'aime promener mes chiens. En tant que photographe documentariste, j'aime regarder comment nous traitons nos chiens domestiqués. J'aime photographier les gens dans leur environnement, voir l'impact des gens sur leur milieu, celui du milieu sur les gens et les effets qu'ont les gens entre eux. Cardiff est une ville fantastique pour faire des portraits, parce qu'il y a plein de gens bizarres. Le soir, les files d'attente sont souvent longues pour venir assister à des concerts. Le plus souvent, ce sont des artistes locaux que viennent écouter les étudiants de Cardiff, comme ici, au Tommy's Bar. Mes chansons parlent beaucoup de fromage et de balades, mes deux passions dans la vie. D'ailleurs, on trouve de très bons fromages à Cardiff. C'est connu pour ça. Cardiff est un super endroit pour jouer. C'est même mon préféré. Pour une petite ville, il y a beaucoup de scènes, ça vibre beaucoup. Et l'ambiance est toujours très sympa. Je pense que ça vient de nos origines ouvrières. Les gens payent pour sortir, se payer du bon temps. Mais dans d'autres villes, c'est plus speed. Les gens vont et viennent. Alors qu'ici, c'est vraiment une tradition. Vous êtes prêts? On y va! Allez, allez! Pas chasser sur le côté! Pas chasser sur le côté! Allez, on y va! Les mains, les gars, les mains! Écartez les bras! Les 5 premiers attrapent les pads! Allez, plus vite! Les gars, on n'est pas là pour s'amuser. Il faut percuter, percuter, percuter. Maintenez-les au maximum à l'écart du ballon. Ne reculez pas, sinon on perdra le match. Alors les gars, on fait notre travail et on gagne le match. It takes a few seconds, then we concentrate on rugby, then okay? Then it'll be the last time we've been sorting out. Salut Jérôme, comment ça va? Bien et toi? Good. Super content de te revoir. Tout va bien? Oui. Alors ça y est, t'es déjà dans le match? Oui, on s'est bien entraîné et on est prêt maintenant. Vous êtes prêts les gars? Yes. Est-ce que vous allez gagner? Bon, alors bonne chance. Hein. Allez, je vous laisse. I'll see you later. Ouais, ok, on se voit tout à l'heure. Je vous regarde, hein. All right, then, guys, you all ready? Yeah. Okay, go do your thing. Go on, go play.
sais, Rob? Oui, très bien, j'entraîne l'équipe avec lui. Et il y a le fils de Rob aussi qui coach l'équipe, c'est ça? Deon est sur le terrain, c'est le numéro 8. Rob a un autre fils qui joue, mais il est blessé. Même sa femme. Du plus petit au plus grand, ils sont tous obsédés par le rugby dans la famille. Mais les Français sont meilleurs que les Gallois, ça qui est dommage, quoi. Parfois. Good match. Vous avez fait du bon travail aujourd'hui. Vraiment du bon travail. Bien là, Frankie. Tasswell à 3, ok? 1, 2, 3. Tasswell! Bien joué, les gars. Beau boulot. Tasswell, c'est les meilleurs. Bravo, les champions. Je sens que les valeurs du rugby sont importantes. Ce sont les valeurs des Gallois aussi. C'est comme une religion pour certains au Pays de Galles, mais ça fait partie de la vie. Et ce sont les valeurs des Gallois, être fier de son héritage, être fier de son pays et jouer au rugby. Finalement, ces valeurs participent aussi à l'éducation des enfants, et même en dehors du rugby. Oui, c'est pareil. Ils deviennent amis. Ils vont les uns chez les autres. Ils sont amis même s'ils ne vont pas dans la même école. Et les valeurs sont là. Ils se respectent entre eux, ils respectent les autres, ils respectent leurs parents. Et le plus important, ils se respectent eux-mêmes. Et ils peuvent être fiers de ça. Bravo les garçons. Vous jouez presque aussi bien que les Français. Voilà, il a tout compris lui. Il a tout compris, le maillot du Stade français. Voilà Jérôme, on arrive chez nous. Bienvenue à la maison. Il n'y a pas d'herbe ici pour jouer au rugby. Non, mais il y a un jardin derrière. Qui est là? Tracy, je te présente Jérôme. Enchanté de vous rencontrer. Moi aussi. Vous aimez le rugby? Oui, bien sûr. Tu as été gentil au moins avec l'arbitre. Et d'avoir trois fils... Un mari fondu de rugby, vous arrivez à vous y retrouver quand même? Oui, j'aime ça. Le problème, c'est d'être à trois endroits au même moment. Ils jouent dans différentes équipes, d'âges différents, et j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, je ne regarde que les matchs joués à Tasswell parce que je ne peux pas être à trois endroits en même temps. C'est le seul problème. Et aussi de laver tout le linge sale. Jérôme, viens, je vais te montrer quelques passes galloises. D'accord. Apprends-moi. Bon alors, je me mets en position alors. Je m'échauffe un petit peu. Hein. Quand tu es proche, tu la laisses aller. Quand tu es loin, il faut la faire tourner. Et tu m'as pas dit, Diane, qu'est-ce que ça t'apporte le rugby, toi? Je ne pourrais pas vivre sans rugby. Je dois avoir un ballon dans la main, au moins une fois par jour. Sinon, je me sens mal. Après le rugby, l'autre trésor du pays de Galles, c'est sa langue. Interdite après l'annexion du pays par l'Angleterre au XVIe siècle, cette langue celtique n'a pourtant jamais été aussi vivante qu'aujourd'hui. Et beaucoup de Gallois viennent ici, au centre de la culture galloise, pour apprendre leur propre langue. C'est particulièrement difficile parce que l'alphabet est différent. En fait, même si ce sont les mêmes lettres qu'en anglais, on les prononce différemment. Donc c'est vraiment difficile, surtout pour les personnes âgées qui apprennent sur le tard. Le gallois est maintenant langue officielle du pays, avec l'anglais, et son apprentissage est obligatoire dès l'école primaire depuis 1988. Le pays de Galles, il y a plusieurs années, était constitué de plusieurs principautés. Je pense que le sentiment d'unité s'est intensifié grâce à sa langue durant les 20 ou 30 dernières années. C'est très important pour un Gallois de parler sa propre langue, parce que cela préserve notre identité culturelle tout en renforçant l'unité du pays. Notre langage est une part importante de notre culture. C'est le chant qui a sauvé la langue galloise.
Durant des siècles, malgré son interdiction par les Anglais, la langue continuait à vivre dans les chorales des églises, puis dans les chœurs d'hommes créés au XVIIIe siècle. Ces chœurs d'hommes interprètent aujourd'hui tous les registres, allant de la musique classique au gospel. Mais c'est dans les chants gallois qu'ils expriment toute leur force. Les chœurs font partie de la tradition culturelle galloise, mais plus particulièrement les chœurs d'hommes. Ils sont nés dans les régions minières du sud du Pays de Galles, et dans un rayon de 30 km, nous avons quelque chose comme 7 à 8 chorales d'hommes. Et nous sommes la plus importante, avec 75 membres. Mais la force de l'identité galloise, c'est son indépendance. Et pour illustrer cet état d'esprit, direction la petite ville de Hay-on-Wye, le royaume du livre d'occasion. Il y a 33 ans, Richard Booth proclame l'indépendance de la ville et se désigne roi de la République du Livre avec son cheval comme premier ministre. Les livres neufs nourrissent l'ego et les livres d'occasion nourrissent l'esprit. Je crois que j'ai mis ma couronne par ici. Je suis très triste de constater que la bouche est devenue une vulgaire porte d'entrée pour la nourriture plutôt qu'une voie de sortie pour les bons mots. Le roi Richard règne sur un royaume de 10 millions de livres et 40 librairies, soit une librairie pour 30 habitants de ce village d'irréductibles gallois. Je cherche un endroit pour acheter à manger, fish and chips, quelque chose comme ça. Oh, il y a un fish and chips juste là derrière. Il y a aussi un restaurant chinois, tout ce que tu veux. D'accord, super, merci. C'est quoi cette coupe? On va à un Eastwood Ford. On chante, on récite, on danse. C'est une compétition à laquelle tout le monde peut participer, quel que soit l'âge. Et si tu gagnes, tu peux avoir un peu d'argent ou une coupe. D'accord. Et c'est où ça? C'est là. On y va maintenant. Ok, je vais m'acheter à manger et puis ben, je passe faire un tour alors. À tout à l'heure. Je vous suis, hein? Oui, oui, suis-nous. Il faut qu'on attende ici. Ce sont des chansons traditionnelles galloises? Oui, ce sont des chants gallois. Il y a des compétitions locales et il y a des concours plus importants dans trois grandes régions du Pays de Galles. Dans celle-ci, tout le monde peut participer. Par contre, les compétitions locales sont réservées aux scolaires. Il y a aussi deux grands Eastwood Ford nationaux. Mais il faut franchir beaucoup d'étapes avant d'arriver à cela. Ah,
Vous êtes la grand-mère? Et vous venez souvent voir vos petites filles chanter? C'est très important dans la culture galloise. Et on ne trouve ça que dans notre pays. C'est unique. Et combien de Gallois participent à ces compétitions, à votre avis? C'est très difficile à dire. Des centaines. Et les filles sont de bonnes chanteuses? Évidemment. Eh bien, dis donc, c'était bien, hein? Oui, c'était pas mal. Et il ne t'arrive jamais d'avoir le trac? Non, pas vraiment. Ma méthode, c'est de penser à autre chose. Du coup, je n'ai pas le trac. Et toi non plus? Jamais de trac? Pas vraiment. Il faut dire que vous avez beaucoup d'expérience, les filles, hein? Des fois, tu peux avoir un peu peur. Mais à ce moment-là, il faut se dire non, je dois être confiante. Le pays de Galles, avec ses 3 parcs nationaux et ses 5 sites naturels protégés, offre de nombreux paysages préservés. Des visionnaires ont voulu créer, il y a 40 ans, un monde conçu pour durer toujours, un monde sans pollution et autosuffisant. Pour y arriver, il faut emprunter un funiculaire pas comme les autres, un funiculaire hydraulique, entraîné par le seul poids de l'eau. Ce monde imaginaire est maintenant devenu réalité et accueille des visiteurs venus du monde entier. Alors on a un réservoir tout en haut de la colline. L'eau est filtrée par du sable et par les rayons ultraviolets pour enlever les bactéries. Puis elle est redistribuée sur le site pour les toilettes, cuisiner, nettoyer ou se laver les mains, ce genre de choses. Avant de partir, elle passe à travers un lit de roseau pour éliminer toutes les impuretés que nous aurions pu produire. Puis l'eau retourne dans son milieu naturel. Ce centre fait la promotion d'un monde éco-responsable, car dans le futur, ce sera notre réalité. Nous devons éduquer un maximum de gens, les informer, les inspirer et les inciter à faire les mêmes choses que nous, parce qu'on est convaincus que c'est très important. Au départ, une trentaine d'utopistes débarquent dans cette ancienne carrière d'ardoise pour vivre en communion avec la nature. De ses fondateurs, il ne reste qu'une poignée, dont Patrick Borer, chargé à l'époque de construire des maisons, aujourd'hui architecte environnemental renommé. Je crois que c'est un lieu qui est vraiment fondé sur l'idée qu'il fallait faire quelque chose. Ce n'était pas une utopie. Même si depuis toujours, notre philosophie tend vers un style de vie en harmonie avec la nature, c'est malgré tout un lieu où des choses pratiques sont réalisées. C'est aussi bien de la science et de la technologie qu'une expérience sociale et écologique. Aujourd'hui, la communauté existe toujours. Ils sont une quinzaine à vivre encore le rêve de ses fondateurs.
Un des principes fondamentaux de notre mode de vie, c'est l'autosuffisance avec un impact minimum sur la nature. On essaie de cultiver notre propre nourriture. Nous cuisinons ensemble car cela réduit nos déchets et la consommation d'énergie en faisant à manger dans une seule maison. C'est un véritable apprentissage pour la plupart de ceux qui viennent ici, car c'est vraiment un autre mode de vie. Il y a des tas de raisons de vivre en communauté et de consacrer son temps à des projets de développement durable avec un certain engagement politique. La philosophie est la même, mais la technologie a fortement évolué en quelques années. Énergie solaire, énergie éolienne et hydraulique. Aujourd'hui, pour être un bon militant écologique, il ne s'agit plus d'avoir la main verte, mais plutôt d'avoir la tête bien faite. Les technologies alternatives, ce n'est pas seulement faire pousser des fruits ou des légumes et vivre de rien. Cela nécessite une véritable connaissance des innovations et des expérimentations pour récolter l'énergie naturelle et de l'utiliser efficacement pour que tout le monde soit content. Si tu n'utilises pas ces technologies, le monde n'ira pas mieux. Salut! Qu'est-ce que tu fais? Ça va, Bethan? Ça va, Jérôme? Ouais. Enfin, je fais du jardinage et je fais une émission de télévision. Pour la télé galloise ici? Oui, oui. Ah, tu n'écris pas que des romans alors? Oh, je fais plein de choses parce que on a besoin d'argent. Ah ouais, il faut travailler. Il faut travailler. Bon, ben, je vous embête pas. Si tu entends, en deux minutes. Ouais. Je sais pas, on fait un petit tour. Ouais, faire un café. Je vais tailler des rosiers, faire quelque chose en attendant. Oui, si tu veux. Oui, oui. Parfait. Bon, je fais un petit tour, à tout de okay. suite. Ok, deux minutes. Ouais, merci. Casse là, casse là. Madame. Yeah. Right. Alors. Ça y est, t'as terminé? Ouais. J'ai besoin de. J'ai soif maintenant. Ouais. Tu sers quelque chose? Avec plaisir. Ouais. Tu le ferais, bien sûr. Ok. Limonade. Alors donc tu fais plein de choses toi, tu fais de la télévision et tu écris. Toutes les semaines je fais une émission de jardinage. Et aussi j'ai commencé par écrire le roman que mes copines voulaient lire. Parce qu'ils ne voulaient pas lire les bouquins gallois parce qu'ils étaient si académiques, très secs, ouais. difficiles. Il fallait chercher les dictionnaires. Ah oui. Et moi j'essaye de... Faire un langage familier, ouais. normal, ouais. du quotidien quoi. Ouais. Je vais t'emmener faire une balade, petite balade, dans ma région. Allez. Ouais. D'accord, mais peut-être qu'il va faire froid, donc... Ah oh non, je pense que ça va se lever, regarde au fond là-bas. C'est ce qu'on appelle prendre des petites routes de campagne. Oui, j'adore ces petites routes. Ouais, c'est chouette. Ça fait penser, tu sais, à la forêt de Brocéliande, les druides, tout ça, toutes les légendes, là, ces forêts-là. Ouais. Bon, j'étais arrêtée ici pour deux minutes pour te montrer un village qui s'appelle Port Mirion, ouais. qui est, comme tu vois, un peu différent. C'est pas typique de la région. Oui, c'est non. clair, oui. C'est très coloré, oui. On dirait plutôt l'Italie. Ouais. 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 Et c'est parce que l'architecte Clough Williams Ellis, c'est son rêve. Il a construit tout ce village. Ah, c'est un truc fait de toutes pièces, alors. Oui, c'est tout à fait faux, en effet. Ouais, c'est très grand. Ouais.
Alors c'était son rêve, sa folie. Et comme tu vois maintenant, il y a beaucoup de touristes qui viennent. Il y a des gens comme les Beatles venaient ici souvent. Ah oui. H.G. Wells, l'écrivain qui a fait War of the Worlds, tu sais. D'accord, la Guerre des Mondes, oui. Oui, et toujours, il y a des gens très, très connus qui viennent ici. C'est quand même étonnant comme endroit. C'est beau, hein? C'est très beau. Il s'est fait plaisir, ce monsieur. J'ai beaucoup voyagé. J'ai fait des émissions galloises, comme Échappée Belle. Moi, j'étais toi. Ah. Oui, j'ai fait les 7 continents, j'ai fait les 2 pôles, c'était magnifique. Donc j'ai beaucoup vu, mais je crois qu'ici, c'est très beau par rapport à tout ce que j'ai déjà vu. T'en penses? C'est incroyable, c'est magnifique. Il y a plein de légendes. Oui. Il y en a une, si tu te couches là-bas, au sommet. De la montagne? Ouais. Ouais. Tu te réveilles le lendemain, soit poète, oui. Soit fou, oui. Soit mort. Ouais, et moi, je l'ai fait. Hein. Ah, toi, tu l'as fait. Ah oui, je vois comment tu t'es réveillée. Je crois que je suis pour être un peu folle. Peut-être. Tu viens puiser ton inspiration ici? C'est vrai, oui. J'ai même écrit un roman. Il y a un passage, tout un passage qui se passe ici. Parce que, tu vois, quand j'étais plus jeune, je suis tombée en brouise ici. On se pose là? Ouais, d'accord. Ici. Au bord de l'eau, oui. Avec le décor, là, ça va être chouette. Ah, ouais. Waouh. Et voilà. Le soleil, regarde ça. J'ai fait pas mal de recherches et je le trouve très important de montrer aux Gallois l'histoire de la richesse, ouais. La richesse qu'on a ici. Ouais. Parce que moi, quand j'étais jeune, je croyais que cet endroit était très, très ennuyeux. Mm-hmm. Et maintenant, je sais que non, c'est un endroit parfait. Et je veux que les jeunes du Pays de Galles comprennent ça et sont fiers de leur pays. Et de leurs racines. Ouais. Bon, Bethane, je tenais vraiment à te remercier de m'avoir fait partager tout ça parce que j'aime bien la façon dont tu parles de ce pays, de cette région que t'aimes. Vraiment, sincèrement. C'est un plaisir. Bon, tu sais aussi que tu m'as promis de me faire un petit extrait. Hein. Tu l'as pris avec toi, je crois. Ouais, ouais, ouais. Ça va. En gallois? Ouais. Man har timat arbetet kan man beslåda oss. Propelsen är nåt för att pissa någon jag. När jag timlar kvar rövs det väl att nåt annat. När jag pissar måste jag ha vävva. Av allt så du minns nålen är sen det, men det är en väv och det är tredje du är vid. C'est une île de légende, une terre sacrée où près de 20 000 saints seraient enterrés. Mais pour l'atteindre, c'est une autre histoire. Au Moyen Âge, les gens s'en remettaient à Dieu s'ils voulaient atteindre l'île sans danger. Aujourd'hui, il faut s'en remettre à Colin. Agriculteur, il ravitaille l'île de Bardsey et prend la mer dès que le temps le permet. Aujourd'hui, ça va être juste. On ne pouvait pas hier à cause du mauvais temps. La météo nous empêche souvent de sortir, particulièrement au début et à la fin de l'année. Durant cette période, la traversée est impossible les trois quarts du temps. On va bientôt y aller. Pour ceux qui veulent un gilet de sauvetage, servez-vous. Mais je pense que c'est mieux d'en porter un aujourd'hui. Aujourd'hui, il emmène des visiteurs avec lui. Ils ne resteront que quelques heures, le temps pour Colin de décharger sa cargaison. Autant qu'on s'en souvienne, dans l'histoire de ma famille, la plus longue période sans pouvoir atteindre l'île a duré 3 semaines. Ma famille cultive et pêche sur l'île de Bardsey depuis des générations. Nous passons encore la moitié de l'année sur place, quand on peut.
30 minutes plus tard, c'est l'arrivée sur l'île de Bardsey. Durant l'hiver, il n'y a que la famille Porter qui vit ici. Johanna et son mari s'occupent de la ferme avec leurs deux enfants, Rachel et Ben. Steve, ancien guide de montagne, a tout plaqué pour venir s'installer ici avec sa petite famille. Nous sommes venus en vacances ici pendant des années. On n'a jamais pensé qu'on finirait par vivre ici. Un soir, j'étais sorti et en rentrant, j'ai trouvé un petit mot de Rachel, Ben, Johanna qui disait « On cherche un fermier et sa famille pour s'installer sur l'île de Bardsey », avec un gros point d'interrogation qui m'était adressé. En gros, est-ce que moi j'étais prêt à y aller ? Et au final, on a pensé que c'était le bon choix. Ça fait 3 ans maintenant qu'on est là et on est toujours content d'être là. Toute la famille y trouve son compte. Pas besoin de télé ou de console vidéo, le terrain de jeu préféré du fils cadet, c'est la nature qui l'entoure. C'est une très belle île, complètement perdue au milieu de la mer, très isolée, particulièrement l'hiver. Les tempêtes sont parfois très violentes ici. Ma passion, c'est d'observer les différents oiseaux migrateurs qui passent par ici et les photographier. C'est très sympa. Comme tous les matins, entre 9h et midi, la cuisine de la ferme se transforme en salle de cours, un rendez-vous indispensable pour les enfants porteurs. C'est probablement le plus grand défi que nous ayons eu à relever en venant habiter ici. Parce que, à leur niveau d'études, quand on est à l'école, il y a un professeur pour chaque matière. Alors qu'ici, nous devons traiter nous-mêmes tout le programme. Parfois, on est un peu débordé. Mais c'est un travail nécessaire. On peut aussi apprendre beaucoup en vivant ici. En fait, les deux sont importants pour qu'ils soient bien formés, quel que soit le choix qu'ils feront dans leur vie. Il y a plusieurs siècles, l'île était très fréquentée. Au Moyen Âge, les gens venaient jusqu'ici parce que la légende disait que si vous perdiez la vie sur l'île, ou pendant le voyage qui vous y amenait, votre âme n'irait pas en enfer. Donc c'était un endroit très fréquenté à l'époque. Il y avait un hospice pour les malades et les mourants. Il y avait beaucoup d'enterrements. On disait que la péninsule débordait d'une foule de moines transportant les dépouilles de ceux qui voulaient être enterrés sur l'île. Donc le chiffre de 20 000 tombes n'est peut-être pas une exagération. Il y a beaucoup de légendes au sujet de l'île. Mais toute personne venant ici peut ressentir la paix, l'aspect sacré du lieu. Comme le disait le poète, on peut sentir les siècles de prières qui émanent de cette terre. Aujourd'hui, Steve doit accompagner son fils sur la terre ferme. Dans quelques jours, Ben a un examen blanc qu'il ne doit surtout pas rater. Chaque départ est douloureux, car ils ne savent jamais réellement quand ils pourront revenir. «
Et lorsque le travail à la ferme le permet, Johanna et sa fille Rachel aiment arpenter les sentiers de l'île et profiter de cette nature sauvage et préservée. Je viens souvent. J'aime me promener et dessiner tout ce que je trouve sur l'île. Mais les bébés phoques ne sont là que pour un mois dans l'année. Donc j'en profite pour venir les observer, observer leur comportement. C'est vraiment l'endroit rêvé pour un artiste. Il y a une vraie diversité. Tant de choses à peindre ou à dessiner. Et le prochain train ? Je crois qu'il arrive à 4 heures. D'accord. Dans 10 minutes. 10 minutes, d'accord. Enfin, je crois. Hey ! Viens par ici, assieds-toi. Là, ce train m'emmène à la mine d'Ardoise, qu'on va voir ensemble, c'est ça ? C'est le train d'origine. Il était utilisé il y a plus de 100 ans pour transporter des ardoises et des mineurs. C'est une bonne chose de voir qu'il fonctionne toujours, plutôt que de le voir dans un musée. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement, au parc national de Snowdonia ? Je travaille au centre d'études du parc national. C'est un endroit où les gens viennent pour suivre des cours. Les gens viennent étudier la nature sauvage, l'histoire et l'archéologie. Bienvenue à Bléno. Il y a la mine d'ardoise là-haut, c'est là que nous allons. Regarde là-bas cet énorme tas d'ardoise. C'est le résultat de 200 ans d'exploitation de l'ardoise. Et chacun des morceaux, chaque pierre a été apportée par un homme. Ce sont les morceaux perdus, transportés dans des chariots tractés par des chevaux et laissés ici. C'est un site magnifique, un hommage à notre histoire industrielle. Mais bien sûr, il y a une grande proportion d'ardoise utile, utilisée pour les toitures. Et les bons morceaux sont amenés à l'atelier pour être découpés, à la main. Et aujourd'hui encore, on le fait de façon artisanale. Ça ne peut pas être mécanisé. Tu vois, Jérôme, cette mine a été l'une des plus importantes à une époque. Et énormément d'ardoises étaient exportées du nord du pays de Galles et d'ici, à Bléno-Festiniog. On dit même que le pays de Galles a mis un toit sur le monde. Et tout, comment faisaient les mineurs, là ?
Il descendait de plus en plus profond. Comment ça se passait? Ils travaillaient sur un niveau plat. Ils entraient par une petite galerie, au bout de laquelle ils creusaient une grande salle. Et quand elle était terminée, ils avançaient vers une nouvelle. Il y a toute une série de grandes salles avec une galerie. Encore une salle et une galerie. Et au bout d'un moment, ils ouvraient une voie parallèle. Et il y en a toute une série à chaque niveau. C'est comme une ruche avec les abeilles, quoi. Ils ont commencé à 500 mètres de hauteur, en haut de la montagne. Et ils sont descendus, descendus et encore descendus. Jusqu'à quelle profondeur ? Ils sont arrivés à seulement 50 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Ah ouais. Ah ouais. Ah, c'est incroyable ça. Qu'est-ce que tu ressens, toi, d'être dans un endroit comme ça, qui a quand même été important pour ta région, pour ton pays? Une émotion, quand même, d'être dans une mine où les gens ont travaillé pendant des siècles. C'est incroyable d'être directement au cœur de la montagne, d'être dans un endroit créé par le travail des hommes, et souvent dans des conditions assez primitives. C'est génial d'être en contact avec cette atmosphère. On croirait presque les entendre. Au pied des montagnes de Snowdonia, alors que le soleil cherche encore à percer la mince couche de brume qui recouvre la vallée de Conwy, Yolo Jones part à l'entraînement comme tous les matins depuis 30 ans. Dans un pays où l'on compte plus de 4 moutons pour un habitant, la spécialité de Yolo est indispensable. Nous sommes dans une ferme d'élevage typique du Pays de Galles. Il y a à peu près 300 moutons. Ici, nous nous sommes diversifiés au centre d'élevage pour chiens de berger. C'est très difficile de réunir un troupeau de moutons sans ces chiens. Dans de très grandes fermes, ils sont inestimables. La spécialité de Yolo, c'est d'entraîner les chiens de berger en vue d'en faire des compétiteurs. Les meilleurs peuvent atteindre quelques milliers d'euros. Voici Bob, il a 4 ou 5 mois. Il n'est pas encore réellement prêt pour l'entraînement. Quand vous avez un jeune chiot et que vous l'emmenez dans un enclos comme celui-ci, la première chose qu'il va chercher à faire, c'est de poursuivre les moutons, peut-être leur arracher de la laine et les faire tomber. C'est son instinct de prédateur, mais nous le transformons en capacité d'écoute. Il travaille avec nous et non pas contre nous. Pour l'instant, l'entraîneur le laisse jouer comme un enfant. D'ici quelques mois, il lui donnera des indications précises et pourra commencer à le faire travailler et peut-être le transformer en véritable chien de berger, comme son père, Bill. Voici Bill. Bill a 4 ans et demi. C'est le meilleur chien que j'ai jamais eu. Il ne veut pas venir avec moi maintenant. Vous avez besoin de chiens avec une grande endurance. Et il doit vraiment être très à l'écoute. Nous devons rassembler les moutons pour différentes raisons, qui vont du traitement contre les parasites ou toute autre intervention. On les rassemble très régulièrement, ça fait vraiment partie du travail de tous les jours. Thank you.
L'ordre le plus important que nous ayons, c'est celui de l'arrêt. Les autres sont en avant ou debout pour éloigner le troupeau ou le rapprocher de vous. Et si vous voulez que le chien ramène le troupeau ou le sépare, vous dites « rentre ». Et en gallois, on dit comme ça. Tout l'art du berger vient de son talent à prévoir les réactions de son chien et celles des moutons, et donner ses instructions à temps pour que le chien joue la partition de son maître sans fausse note. Bonjour, que puis-je pour vous? Bonjour, vous êtes le responsable d'ici? Oui, c'est ma galerie et ce sont toutes mes œuvres. Ah, c'est votre galerie? C'est vous qui faites les photos? Oui, c'est moi qui ai fait les photos et ce depuis 30 ans. Vraiment très très beau, ouais. Moi, je viens d'arriver sur l'île et je voulais savoir où à Anglesey je pouvais voir cet endroit-là parce que c'est quand même exceptionnel. Oh, merci beaucoup. C'est un endroit très très spectaculaire qui s'appelle Penmon. Je vais vous montrer sur la carte. Penmon se trouve exactement au bout de l'île d'Anglesey. Cette photo a été prise en bas de cette côte, le long de la plage. Ces fantastiques formations de sable ont été sculptées par le vent qui souffle à travers les herbes sur les dunes. Je veux faire d'autres photos de ces formations pour mon prochain livre. Si tu veux venir avec moi, je t'y emmène, j'ai de la place. Je me suis avec plaisir. Ah oui, vraiment, oui. No worries. C'est super, oui. OK. Génial. Oh là. Il pleut. Ouais, mais il y a du ciel bleu. Allons vite dans la voiture. Je ne suis pas présenté, moi c'est Jérôme. Salut Jérôme, Glyn Davis. Ok Glyn. Mets-toi à l'aise. Ouais, super. Glyn, je peux te tutoyer? Oui, bien sûr, tu peux me tutoyer, n'hésite pas. Toi, tu es originaire d'ici? Mon père et la moitié de ma famille sont tous d'Anglesey. Mon père est gallois, il parle gallois, et parce que ma mère était anglaise, je n'ai pas appris la langue. Mais maintenant que j'apprends la langue, je parle gallois partout où je le peux. Il a fallu plusieurs années pour m'y faire, mais ça me plaît vraiment maintenant. Et tu vis à Anglesey depuis combien de temps? J'y habite depuis maintenant 13 ans, et je me sens comme à la maison. Jérôme, nous sommes maintenant dans un petit village qui a en fait un nom vraiment très long. C'est le nom le plus long d'Europe. C'est quoi le nom? Alors, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi tu viens ici faire des photos, hein? C'est incroyable comme endroit. Hein? C'est un endroit magique. Et qu'est-ce qui te plaît, toi, dans cette région? Pourquoi tu aimes autant la photographier? Ici, tu as des rochers et des formes étonnantes. Et bien sûr, c'est une île. La lumière change très, très rapidement. Tu as pu voir qu'un peu plus tôt, il y avait des nuages et maintenant, on a un soleil superbe. Et puis, ça dépend aussi si on est tôt le matin ou tard le soir. Il y a beaucoup de lumière qui se réfléchit sur la mer. Et puis, comme tu dis, c'est vrai qu'on a l'impression ici d'être au bout du monde, quoi. Ce que tu décris, ce temps qui change. Oui, ça fait un sacré bout de chemin jusqu'à la prochaine terre quand tu quittes Anglesey. Si tu as de la chance, tu tombes sur une île. Mais si tu es malchanceux, alors c'est tout droit jusqu'en Amérique ou en Antarctique. On est vraiment au bout du monde ici.
C'est une longue étendue de dunes de sable qui s'étend jusqu'à un point de rétrécissement entre Anglesey et le reste de l'île. Et tout le sable bouge et change de place tout le temps. Et il construit ces grandes dunes de sable. Et ça peut être de véritables sculptures. Ça, c'est exactement le genre de choses que je recherche, Jérôme. Tu as vu comme le vent a couché les herbes ? Oui, c'est le mouvement des herbes, et c'est ce qui fait ces magnifiques courbes. Ça fait comme un dessin dans le sable. Ah, dis-moi, Glenn, ça fait combien de temps que tu fais de la photo ? Je fais ça depuis que j'ai 16 ans. Et en fait, l'été de mes 17 ans, j'ai fait mon premier reportage de mariage. Maintenant, 30 ans plus tard, je suis arrivé à faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire photographier des paysages. Pour moi, ce n'est pas seulement faire des images, c'est aussi une question d'équilibre mental. J'ai besoin d'être à l'extérieur. C'est bon, ça. Good. Ouais, c'est très bon. Ce qui est super à Anglesey, c'est qu'il y a plein de choses qui me transportent, qui me plaisent et qui signifient quelque chose pour moi. La chose qui me plaît le plus, c'est de sentir le vent et le soleil sur mon visage et de ressentir la chaleur de ces paysages. J'aime enlever mes chaussettes, courir à l'eau. Je me sens vraiment vivant à ce moment-là. Tous mes sens sont en éveil. C'est très émouvant la façon dont tu en parles, en tout cas. D'une certaine manière, mes photographies sont un moyen de communiquer. C'est un dialogue, un partage d'idées, de sentiments. Et en fait, beaucoup de personnes peuvent se rapprocher de ça. Bon, Glyn, on va marquer une pause dans l'émission. On va aller sur les traces du peuple Bushman. Tu connais ce peuple? Bushman, yeah. Oui, mais je n'y suis jamais allé. On va suivre la réalisatrice Anne Poiret, qui nous présente le dernier volet de son film. Elle a traversé le désert Namib, et là, elle arrive à la frontière du Botswana. Et elle a suivi ce peuple pour voir comment, là, dans ce dernier volet, il s'adaptait à la modernité. Voilà, tu verras que c'est pas facile pour eux. Ça a l'air d'être une super idée, un super endroit. J'essaierai d'y aller un jour. Ah oui, pourquoi pas. Il est des pays peuplés d'ombre. Ceux d'Afrique australe porte celle des Bushmen, un peuple aujourd'hui presque disparu, dont je suis la trace depuis l'Afrique du Sud. En entrant en Namibie, j'ai d'abord voulu connaître l'histoire du génocide dont ont été victimes les Nama, les cousins des Bushmen. J'ai rencontré les descendants de rescapés et découvert Shark Island, l'un des premiers camps de concentration allemands de l'histoire. Sur la route, au-dessus du désert du Namib, j'ai contemplé l'ancien territoire des Bushmen. À présent, je fais cap vers l'est, où ils se sont réfugiés, tout le long du désert du Kalahari. Il était une fois une vie intacte, où oryx, autruche et élan vivaient en parfaite harmonie avec le peuple Bushman. Il était une fois l'un des plus vieux peuples du monde, qui pendant 20 000 ans avait conservé son mode de vie fait de chasse et de cueillette. Un monde où Kortman et sa famille nomadiseraient encore entre Botswana et Namibie, et où la nature leur offrirait tout ce qui serait nécessaire à leur confort. Viens voir. Si le soir, il y a des moustiques qui nous piquent et qu'on veut les éloigner, on fait un feu et on met ces graines dans le feu. Et alors, l'odeur de la fumée chasse les moustiques. C'est une racine, ça retient l'eau. Qu'est-ce que c'est ? La racine que je cherche là, ça désaltère et ça nourrit en même temps. Allez, viens par là, l'eau. Hein, c'est bon.
Il était une fois une vie où la nature offrirait même des blagues au peuple bushman. Tiens, prends-en une. C'est une graine qu'on met dans la bouche. On fait la blague à tout le monde. On met la graine dans la bouche, on la garde un peu, et puis quand elle explose, ça fait sursauter. Ce serait une vie où les clans se déplaceraient en fonction des pluies, où les femmes collecteraient les fruits et les racines, et où les hommes seraient responsables de la chasse. On évite de tirer sur les élans, parce que si on tire sur un élan, il a les yeux qui pleurent. C'est pour cela que les bushman doivent éviter de tirer sur eux. On tue plutôt les koudous, de grandes antilopes et des djembok. Ceux-là, on peut les tuer, même si ce n'est pas facile de les atteindre. Mais tout ça, c'était dans l'ancien temps. Maintenant, nous n'avons plus le droit de le faire. C'est ça le problème. Si tu le fais quand même et que tu te fais attraper, tu vas t'asseoir en prison. Le vrai problème, c'est que tout ça n'est qu'un conte qu'on sert aux touristes de passage. Ce genre de démonstration, ils la font pour ceux qui viennent séjourner dans la ferme de leur patron blanc. Ou pas plus qu'ailleurs, les bushmen n'ont le droit de chasser. Je vais mettre quelque chose sur ce que je porte. Là, je me change, je mets ces habits parce que on va aller traire les vaches. Le vrai problème, c'est que la Namibie n'est plus adaptée à la vie traditionnelle des bushmen. Quand ils n'ont pas de touristes à promener, Kortman et ses fils retournent à leur vie ordinaire. Sur les fermes, nous faisons un peu de jardinage, on s'occupe des vaches, on gagne un peu d'argent pour avoir un peu de nourriture. Au fil des années, leur monde s'est érigé de barrières et ces nomades du Kalahari sont devenus sédentaires. C'est mes vieux. Ce sont eux, mes parents, qui ont décidé qu'on s'installerait ici. On ne peut pas s'opposer à ses parents, leur dire non. On les suit, c'est tout. La vie est un peu noire, mais on continue. On s'habitue à cette vie. Enfin, on la vit, en tout cas. Mais il y a des gens qui ne s'habituent pas. Un peu partout dans le pays, le XXe siècle a fait de ce peuple premier des citoyens de seconde zone. Tout juste un folklore. Quelques ONG tentent de venir en aide aux bushmen. Ce jour-là, j'accompagne Bessa, à Blobar, à une centaine de kilomètres de là. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Lui, c'est le chef traditionnel. À Blobar aussi, on survit grâce à des mi-temps dans des fermes et des spectacles de danse traditionnelle. C'est pas en soi un problème de montrer ses danses aux touristes, mais la plupart du temps, on abuse de nous. Des blancs ou des noirs qui organisent ces shows ne nous donnent pas tout ce qu'ils nous doivent. Ça fait partie de ce que nous essayons de combattre. On enquête sur ces dérives et on essaie de lutter pour que ce soit les bushmen qui gèrent leur propre culture. S'assurer que les enfants sont scolarisés et qu'un minimum de droits est respecté. C'est la mission de Bessa et de son collègue Daniel.
On a un conseiller légal qui est spécialisé dans les problèmes de droits de l'homme et de respect du code du travail. Alors n'hésitez pas à aller le consulter. Ce qu'il faudrait aujourd'hui, ce serait une terre pour nous. Une terre pour qu'on puisse être chez nous et ne plus être mélangé avec d'autres. Et où il n'y aurait pas d'alcool. Ici, comme dans toute la Namibie, la modernité est venue au Bushman avec tous ses maux. L'alcool, l'acculturation et le chômage. Dans ce township, vivent les bushmen que la ville de Gobabis a attirés pour les petits boulots. Ce matin-là, Bessa nous a donné rendez-vous dans leur église. Mais pour la trouver ici, il faut un bon guide. Ou bien une bonne oreille. Comme Bessa et Daniel, la communauté Bushman a adopté dans sa grande majorité le dieu des évangélistes, qui est interdit de fumer et de boire. Des conversions qui remontent aux années 70. Il est temps de témoigner et nous dire ce que Dieu a fait pour votre vie. Que chacun vienne pour nous dire ce que Dieu a fait pour vous. Je veux remercier le nom de Dieu. Je veux remercier Dieu pour avoir sauvé mon âme. Moi, je voudrais juste raconter un rêve que j'ai eu. Je conduisais un camion à travers une route et j'aimerais bien savoir ce que ça peut vouloir dire. Nous devons rester dans la présence de Dieu et le servir. Lui le fait pour nous. Remercions Dieu. Il faut se tenir prêt à servir le Seigneur. Il faut rester ouvert et être attentif à ne jamais se fermer à lui. Au fil des ans, les Bushmen ont troqué leur dieu traditionnel, celui qui les aidait à trouver leur nourriture et les animaux dans la nature, contre celui des chrétiens. Je pense que si ça a été aussi facile pour nous, les Bushmen, d'adopter ce dieu-là, c'est parce qu'il est vraiment proche de celui qu'on avait avant. Le problème, c'est que cela menace aussi nos traditions. Car on n'a plus le droit de participer aux danses et aux transes et d'aller voir les chamans. C'est considéré comme de la sorcellerie. Et les gens les laissent un peu de côté pour se concentrer sur le christianisme. Ça veut dire que ces chamans pourraient disparaître alors ? Oui, ils pourraient disparaître. Ces chamans, guérisseurs et garants des dernières traditions bushmen, il n'en reste qu'une poignée. Daniel a bien voulu nous conduire à 200 km de là, à la frontière du Botswana, pour rencontrer son oncle, le dernier chaman de la région.
Salut les amis, comment ça va? Même dans cet isolement, eux non plus ne parviennent plus à chasser, ni à se nourrir de la terre qui, tout autour, appartient à d'autres. Au moins, la famille du chaman trouve-t-elle encore les plantes pour soigner ceux qui font le chemin pour le consulter. Ça, c'est un médicament pour la poitrine et le cœur. Pour les femmes enceintes, si c'est le jour de l'accouchement, c'est cette plante qui lui sera donnée aussi. C'est lui son oncle, Rubens, chaman sans remède contre l'extinction des traditions de son peuple, un guérisseur sans successeur. Vous savez, il faut avoir un esprit pur pour voir le mal à l'intérieur des autres et le faire sortir. Le problème, c'est que la procédure pour devenir un guérisseur, un vrai chaman, est très difficile et aussi très douloureuse. Peu de jeunes en ont encore envie. Alors les anciens comme moi n'ont plus personne à qui transmettre leur pouvoir. Moi aujourd'hui, je n'ai plus d'enfants à entraîner. Ils partent et grandissent ailleurs, dans d'autres endroits, où ils apprennent d'autres choses, mais pas les traditions d'ici. Ça me rend malheureux. Je trouve ça très triste. À l'heure où les ombres s'allongent, j'ai essayé de profiter de ces instants avec Rubens et sa famille. J'ai repensé au voyage qui m'avait amené jusqu'à eux. J'ai essayé de ne pas penser que leur culture, l'une des plus vieilles du monde, était en train de disparaître et que notre modernité en était responsable. Je crois que j'aperçois la voiture de Philippa là-bas. J'espère que tu es prêt pour la balade. C'est une femme formidable, surtout quand tu vois ce qu'elle doit affronter pour rentrer chez elle. C'est un endroit spécial pour aller chez elle ? Oui, on peut dire que c'est une route inhabituelle. Bonjour Philippa. Bonjour. Ça va ? Bien, merci, et toi ? Je suis ravi de te voir. Tu es prête pour affronter la route ? Oui. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu jusque-là pour me faire visiter votre maison et votre vue, je crois. Vous avez une vue extraordinaire, c'est ça ? Tu as vraiment apprécié. Je suis très heureuse de vous recevoir ici. Tu vois la piste là-bas ? C'est là que nous allons. Tu la vois juste ici. Ah oui, d'accord. Prudence alors. Alors c'est parti, l'expédition. Je mets ma ceinture, c'est mieux. Ne mets pas ta ceinture sur un chemin comme ça. C'est mieux de ne pas la voir si tu dois sauter. Ok. C'est vrai, c'est vrai. Je suis sérieuse. On ne sait jamais. Il n'y a pas de poignée ou... Allez, on y va. C'est parti. Ah oui. C'est de plus en plus raide. Ça devient meilleur maintenant. Faut pas oublier d'acheter le pain, comme on dit. Oui, on ne va pas ressortir pour du sucre ou autre chose. Il faut être organisé. Oui, organisé. Maintenant, on va commencer à descendre. On dirait qu'on va plonger tout droit dans la mer.
Vous vivez seul ici? Oui, je suis seul avec un chien. C'est une bonne compagnie. Mais ça me va d'être seul. En tant que peintre, je ne veux rien d'autre qu'être seul. C'est pour ça que je l'ai acheté, pour être isolé. Je n'ai jamais voulu vivre en ville ou près d'une route. Je détesterais ça. En fait, j'aime beaucoup l'hiver, car il y a très peu de gens ici. Et je peux vraiment me concentrer sur mon travail. Waouh, waouh, waouh! Oh là là! Jolie vue, hein? On ne peut pas passer par la barrière parce que l'air marin l'a fait rouiller. Okay. On va escalader le muret. Pas de souci. Ce n'est pas très haut. On a athlétique. Oh, c'est extraordinaire. C'est l'endroit où l'on stockait la poudre à canon à l'époque où il y avait des canons. En 1861. Avant les faits. Et on est où exactement ici alors? C'est le point le plus au nord-ouest du nord du Pays de Galles. Et là, c'est la mer d'Irlande. Mais quelle idée de venir vivre dans un endroit pareil? J'aime cet endroit. Je sais que j'ai de la chance de vivre ici. Tout ce que l'on peut espérer est ici, vivre près de la nature. Tout ça est bien réel, alors que dans une ville, on se sent enfermé. Ici, tu peux ressentir la planète, avec la ligne d'horizon. Et tu as conscience d'en faire partie. Bon, Philippa, on rentre au chaud, j'ai envie de voir que vous montriez votre maison. Ok? Sounds good. Attention. Oh! Bienvenue à North Stack. Et c'était quoi le bâtiment ici avant? C'était une station de signal de brouillard. Deux familles vivaient ici, celle du gardien et celle de son assistant, avec leurs enfants. Et ils avaient un âne et une vache. Suis-moi. C'est un choix difficile de venir ici habiter dans un lieu aussi isolé. Oui, il y a des difficultés. Il n'y a pas l'eau courante, pas de poste ni d'accès Internet. C'est le petit prix à payer pour vivre dans un endroit si beau. Et j'ai besoin de l'isolement, de la solitude, pour penser. Le rythme de la mer aide. Quand vous avez acheté cette maison, finalement, vous êtes arrivée seule? Oui, j'étais seule, car mon mari était malade à cette époque et il ne pouvait plus se déplacer. Il n'est jamais venu ici, il est resté vivre à Hampshire. Il est mort peu de temps après. Ensuite, j'ai vendu notre maison et suis venue vivre ici, aussi parce que mon fils est mort, 15 mois après mon mari. C'est le seul endroit où je pouvais supporter de vivre. J'ai donc décidé de rester ici et je suis très heureuse de l'avoir fait car ça m'a guérie. Philippa, un grand merci. Merci d'être venu. Oh, c'est adorable. Merci beaucoup. Je m'en fais partager. Avec ce temps. Oui, on a eu du beau temps. Et le vent maintenant, mais c'est pas grave. En tout cas, merci de m'avoir fait partager tout ça. Sense of place. Merci pour tout, Philippa. Je crois qu'il repartira vers la France avec de très beaux souvenirs de cet endroit. Oui, vraiment. Je me souviendrai de toi aussi. Et pas seulement de l'endroit, de vous aussi. Okay. Prenez soin de vous, hein. Goodbye. À bientôt. Goodbye. Take care. See you soon. À bientôt. Bon, mais merci, hein. No, c'est un endroit extra, ouais. No problems. Bon, allez, je vais prendre la voiture parce que je vais chasser les fantômes. Tu sais, je t'ai raconté ça. Comme Philippa, ils sont nombreux à avoir trouvé leur voie sur Anglesey. Depuis des milliers d'années, l'île est connue comme le quartier général des druides du nord de l'Europe. Une île magique, magnétique, qui attire aujourd'hui encore les membres de la communauté druidique. La nature ne peut pas être contenue entre quatre murs, donc nous n'avons pas d'église ni de temple. Ceci est mon temple. Anglesey regorge de monuments néolithiques, comme la chambre funéraire de Bryn Celli. Des vestiges de la culture celte, dont les druides d'aujourd'hui se disent les héritiers. «
Ce lieu est très significatif de cette époque païenne des îles britanniques. Tout ici a un rapport avec la nature, est en relation avec le rythme des saisons. Au solstice d'été, le soleil se lève face à l'entrée. Au solstice d'hiver, le soleil s'éteint derrière le temple. Anglesey est un lieu magique, vraiment mystique. L'île est entourée de légendes. Elle regorge de contes et d'histoires anciennes. Des dieux et des esprits antiques hantent encore ces pierres. Ça a toujours été un lieu qui stimule votre imagination, où la magie peut vous jouer des tours à chaque instant. Quand nous marchons dans la forêt, nous communiquons avec les arbres. C'est une forme de méditation, une pratique qui nous permet d'entrer en communion avec un cycle de vie plus lent, plus apaisé. Cette pause nous rappelle que l'être humain fait partie de la nature, et c'est ce que nous enseignent les arbres. Même si Chris refuse d'être filmé lors de ces cérémonies, il accepte de nous montrer quelques instruments qu'il utilise lors de ces rituels. La baguette magique est mentionnée dans la mythologie et les rituels celtiques comme un instrument magique qui permet de concentrer les forces. Il représente l'énergie masculine, il symbolise le pénis. Traditionnellement, dans la mythologie galloise, on utilise la baguette magique pour entrer en relation avec la nature. L'arbre d'où provient cette baguette me sert de passerelle. Entre la divination et la magie, les rituels druidiques rendent hommage aux forces de la nature et aux divinités celtiques. La définition du druidisme, c'est pour moi une forme de spiritualité qui témoigne de la culture celtique des îles britanniques et toutes nos règles et nos rituels qui sont associés à ça. C'est la façon que j'ai, moi, de rester lié à mon héritage, de vivre ma culture celtique. C'est une méprise de croire que les druides portent depuis toujours les cheveux longs et la barbe. Beaucoup de druides étaient des femmes, et elles n'ont pas de barbe, que je sache. De nos jours, tous les druides ne sont pas barbus. Certains le sont, mais moi, je n'aurai jamais de longue barbe. Même si de temps en temps, je porte un petit bouc. Bonsoir. Hi. Tu es Ben? Yes. Salut Ben, Jérôme. Hello. Enchanté. Donc c'est vous les chasseurs de fantômes? Robert. Robert. Stuart. Stuart. Sue. Sue et? Jane. Et Jane. No? Jill, sorry. Ah, ok. Bon, je suis très heureux là de venir chasser avec vous ce soir. C'est la première fois pour moi. Nous allons t'emmener à la prison et te montrer comment fonctionne notre équipement. Certaines personnes disent qu'ils détectent les fantômes, mais ils réagissent aussi au contact des environnements ou des objets naturels ou surnaturels. Alors certains pensent qu'on est en présence d'un fantôme. Je vais te montrer tout ça, comment ça fonctionne. Et on va voir si on peut vivre une expérience paranormale ce soir. Personnellement, je suis un peu sceptique. Hein. Je ne vous cache pas que pour moi, je demande qu'à être convaincu que ça existe. Okay, this
Ceci est un détecteur d'ondes. Il mesure l'énergie électromagnétique. Plus il en détecte, plus la lumière s'allume, du vert jusqu'au rouge. Et rien n'est censé déclencher ça. C'est l'une des cellules les plus hantées de la prison. C'est dans cette zone-là que nous avons entendu des bruits de pas. Si vous entendez ma voix, pouvez-vous faire du bruit? Parfois, on peut encourager leur activité en leur parlant. Donc les fantômes parlent plutôt anglais ou gallois? Parfois, on essaie les deux. Rob, tu veux essayer? Qu'est-ce que ça veut dire, là? Pose-le sur le sol quelques instants. Oui, pose-le au milieu de la pièce. Oui, ça bouge. Celui-là détecte un niveau d'onde magnétique élevé. Et celui-là indique la même chose. C'est bon signe quand deux équipements indiquent la même chose. C'est peut-être un fantôme. Oh, c'est impressionnant ici, hein. J'ai commencé à m'intéresser aux histoires de fantômes quand j'avais 12-13 ans. Le Pays de Galles est plein d'histoires de fantômes, de mythes et de légendes, et ça m'intéressait vraiment. Je ne me suis pas contenté de lire ces histoires. J'ai commencé à mener des enquêtes, et j'ai créé mon propre groupe pour partir sur les traces des lieux hantés de ce pays. C'est très rassurant, cette cellule. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience dans la prison? J'ai bien aimé. Bon, je suis toujours aussi sceptique, je te cache pas que toujours un peu. Et sinon, est-ce que tu as apprécié ton premier voyage au Pays de Galles? Ah là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà très surpris par l'importance de l'identité galloise, de la langue, de cet attachement aux traditions aussi. Et puis je suis très heureux d'avoir fait des belles rencontres. J'ai passé un super moment avec vous, mais voilà, j'ai passé des magnifiques moments avec des gens qui m'ont donné envie de découvrir leur pays et qui ont, avec émotion souvent, su le décrire et le faire apprécier. Donc ça, c'était chouette. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles échappées belles, tout aussi dépaysantes, j'en suis sûr. À très vite.